Bonjour les amis, bienvenue sur Parc ATM. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve au Parc Astérix pour une deuxième journée avec moins de monde que ce dimanche, en même temps dans la semaine, c'est pas mal. On va faire une journée un peu plus avec les attractions, les grosses attractions du parc. Donc là, je viens de faire Tonnerre de Zeus, on a quelques images, ou encore Pégase Express, tous deux qu'on n'a pas su faire dimanche en vue du monde. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Fidèles à nos conseils, nous avons commencé notre journée par Romus et Rapidus, les bouées du parc Astérix. Dans la précédente vidéo sur ce parc, je vous avais déjà exprimé mon avis sur ces bouées. Donc c'est là pour un petit rappel, nous conseillons aux personnes de commencer par les attractions aquatiques qui ne mouillent pas trop, comme celle-ci au matin, car a priori, pas grand monde dans les lambda n'ont envie de se mouiller dès le matin, donc il y aura moins de monde au matin, alors que l'après-midi, les files peuvent plus monter, jusqu'à parfois même une heure d'attente les jours de forte affluence. On a fait le Boldicar, l'autre coaster familial de la zone grecque du parc Astérix. Donc celui-ci est moins bien que Pégase Express, il est plus petit, il est un peu plus brusque. Il a été construit par Zierer dans les années 90, je ne suis plus vraiment sûre de la date. Et il est du modèle Hornet. Petite particularité, c'est qu'on n'est pas assis comme normalement dans d'autres Zierer, par exemple comme SOS numéro 10. On est assis de la même manière que le bobsleigh du parc, la trace du rat. Donc avec une barrière centrale pour deux personnes. Une assise derrière et une assise devant. Nous venons de faire le Pégase Express, la nouveauté 2017 du parc, un coaster familial à long train, comme vous voyez là. Voilà, c'est bon, c'est passé. Construit par Gerstler en 2007 donc, et petite particularité de ce coaster, il y a deux aiguillages durant le parcours, un à la toute fin pour remettre le train droit et un juste après le temple de la Méduse. Vous verrez en vidéo, le train se retourne, donc il y a marche avant au début durant le trois quarts du ride et la fin du ride sur le dernier quart en marche arrière. Franchement, c'est vraiment avec Osiris, mais dans un autre style, dans les coasters familiaux, c'est le meilleur du parc. Il y a vraiment des bonnes sensations, il y a franchement, pour les familles, c'est sympa, il n'y en a pas trop non plus, enfin, c'est parfait. Autre attraction aquatique de ce jour au parc Astérix, l'Oxygénarium derrière moi. Donc c'est vraiment une attraction sympa, une espèce de gros toboggan d'une grosse bouée assez simple. C'est sympa, ça mouille pas trop, ça va assez vite, c'est pour toute la famille, c'est une super bonne attraction. Au niveau de la thématisation, donc c'est un peu la même chose steampunk que la zone flashback et psyché à Walibi Belgium. Sauf que c'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup mieux réalisé, ça fait moins abandonné qu'à Walibi. Et franchement, si Walibi ne veulent pas
ne veulent pas complètement changer la zone. Ils doivent plutôt prendre exemple sur le parc Astérix qui a réalisé une bonne thématisation steampunk sur l'Oxygénarium ici présent. Comme avant hier, on chain ride encore Osiris par le biais de la site Single Rider qui, comme vous l'avez dit sur l'autre vidéo, est vraiment le bon plan pour faire Osiris en quelques minutes. Vous n'attendrez jamais plus de 10-15 minutes max, grand maximum même à Osiris en Single Rider. Il y a beaucoup moins de monde quand même ce mardi que dimanche, donc les employés sont en mode normal et non plus en mode je cours, je lance les trains en moins d'une minute. C'est parti, on y va. Voilà, on vient de faire Menhir Express, les bûches du parc Astérix. C'est les bûches que je connais, enfin dans mon souvenir plutôt, qui mouillent le plus. Hein. Il faut vraiment pas avoir peur d'être trempé. Moi, de la tête aux pieds, mes vêtements ne sont plus que de l'eau. Petite particularité, ces bûches, elles ont un débit horaire très fort, on peut voir derrière moi, ça arrive tout le temps. Il y a même un moment avant la montée de la grande descente sur le tapis roulant, il y a même une espèce de petite file d'attente de menhirs. Et ce ne sont pas des bûches classiques, mais ce sont des menhirs, donc c'est censé représenter des grosses pierres que les Gaulois utilisaient. De faire le Grand Splash, une attraction mythique du parc, donc une attraction aquatique construite en 1989 par Intamin de type shoot-chute, tiré sur la chute, ne me demandez pas pourquoi. Présente depuis l'origine du parc en 1989, celle-ci nous trempe complètement. Comme une maquette du plan du parc.
Rhodes a ouvert en 1997 et est dans la zone grecque du parc, comme vous voyez, à sa belle gare. Il a été construit par GCI, Great Culture International, un spécialiste de constructeur de coasters en bois, donc de wooden. Ils ont eu une petite concurrence au début des années 2000 avec Vekoma qui en a construit 3. Wally, le défunt Robin des Bois, Robin Hood à Walibi Holland, qui a été retransmis cette année par Rocky Mountain Construction RMC en hybride. RMC qui sont eux les spécialistes des coasters hybrides, donc une structure en bois mais avec des rails en acier, ce qui permet des placements d'inversion sur des wooden coasters. Vekoma a également construit le bien connu Loup-garou à Walibi, Belgique, ainsi qu'un autre coaster en Allemagne, si je ne me trompe pas. En tout cas, pour revenir à Tonnerre de Zeus, c'est un très bon coaster de GCI. Donc, il est un peu vieux, donc il fait un peu de vibration dans le fond de la première droite. Mais il donne vraiment de bonnes sensations. En plus, on a une belle vue sur le parc, il est très rapide, on a vraiment l'impression de foncer. Et si vous regardez bien, quand vous passez à l'entrée en dessous de la statue de Zeus, en dessous de sa jupe, il porte un petit caleçon à fleurs. Astérix ne serait pas une visite à Astérix sans rendre hommage à un des plus vieux coasters du parc, Goudurix, le vieux Vekoma baffant dont j'ai parlé dans la vidéo il n'y a pas longtemps. On y va! Excusez-moi, National 7, les vieux tacos du parc Astérix. Et même si c'est le même constructeur que celle d'Europa Park, donc Mac, évidemment, elles sont mieux que celles d'Europa Park simplement car il y a du dénivelé, c'est pas simplement sur une prairie plate, on traverse en dessous, au-dessus, etc. etc. On peut les conduire hein, comme les Mac, enfin comme celles d'Europa Park plutôt. Il y a également des petites parties Dark Ride, des petits animatroniques. On a vraiment l'impression de se balader dans une vieille voiture du début du siècle dernier. C'est l'ouverture de la Trace du Hurrah, le bobsleigh de chez McRide du parc Astérix. Situé dans la zone gauloise du parc,
Il a pour thème la Gaule, mais plus précisément la préhistoire. Franchement, c'est un coaster sympathique. Il est assez haut, on trace relativement vite sur le parcours de bobsleigh. Voilà, il y a des bonnes sensations, ça convient un peu à la famille, même si les petits enfants, je déconseille quand même. Ayant eu des difficultés pour filmer aujourd'hui dans le ride, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai réalisée il y a presque 2 ans maintenant, ici au Parc Astérix, une vidéo on-ride de ce coaster, en cliquant juste ici. On continue notre visite. Cette boîte aux lettres n'est pas qu'un décor, c'est une vraie boîte aux lettres dans laquelle on peut envoyer des cartes postales achetées dans le parc ou d'ailleurs, évidemment. L'attraction du jour était le défi de César, la Madhouse, bien sûr le décoma, du parc Astérix. Franchement, les pré-shows, parce qu'il y en a 2, non, il y en a même 3, sont vraiment, surtout pour celui des bains, extraordinaires. Il y a des effets d'eau, des effets de lumière, carrément une espèce de piscine là, enfin c'est vraiment super. Par contre, la Madhouse en elle-même, c'est bof quoi. En fait, ils ont mis des écrans, et les écrans ça éclaire la Madhouse, et donc on n'a pas l'effet de sombre qu'il y a dans les autres, donc je sais pas, l'effet est moins bien, je trouve. Donc voilà, donc au niveau des pré-shows, c'est la meilleure Madhouse, par contre au niveau du show en lui-même, de la Madhouse en elle-même, c'est la pire. Et c'était notre dernière attraction de la journée, j'espère que notre visite au parc Astérix vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche des notifications. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du défi de César et des autres attractions de ce parc. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Parc à Thème On Tour. Au revoir.